Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. C'est les vacances de Pâques et du coup je suis une semaine à la maison. J'ai décidé de vous filmer mes petites journées. C'est des choses que vous m'avez demandé à plusieurs reprises de vous faire des vlogs. Mais bon, vous vloguez mes journées à la maison, ça sert à rien. Donc du coup là, comme je sais qu'on va faire pas mal de choses pendant cette semaine de vacances, je me suis dit pourquoi pas vous vloguer tout ça. Enfin bref, donc là aujourd'hui on est dimanche, c'est le dimanche de Pâques et nous on a décidé de faire un week-end de Pâques dans les Vosges. On a réservé vendredi et en fait vendredi la météo nous prévoyait du soleil et là on arrive et bah il pleut. Pour pas changer, vive la Lorraine. Mais voilà, donc du coup là on vient d'arriver, je vous ai pas filmé le trajet parce que c'était juste l'horreur. Entre Eden qui voulait pas dormir, qui embêtait son frère et sa sœur à taper sur les écrans télé et les deux grands qui arrêtaient pas de aller, on a passé 2h30 de calvaire. Enfin bref, donc là il est midi, on va aller manger un petit peu et puis ensuite on va aller à un truc qui s'appelle bol d'air, c'est des activités en plein air, accrobranche et tout ça pour les enfants. Allez, avance Eden. Avance Eden. Oh purée, c'est flippant. Le matériel. Bien. On est où Stitchy avec les petites bretelles. Vous avez la poulie. La poulie, c'est le gros machin là. C'est pour faire les tyroliennes. Ouais, ça sera pour faire les tyroliennes. Et vous avez des longes. Donc les longes, c'est les deux cordes. Et les deux mousquetons. Vous savez comment ça marche les mousquetons? Vous me montrez? Ouais, ça s'ouvre juste comme ça. Alors en fait, je crois que je vous l'ai pas dit, mais on est au parcours, enfin au parc aventure bol d'air à Gérardmer. C'est à 2h30 de chez moi. Et en fait c'est super sympa parce que c'est pour enfants et adultes et il y a tout ce qui est accrobranche, tyrolienne, parapente, tour en hélicoptère et tout ça. Franchement c'est super sympa
Après, ce sera encore mieux s'il faisait beau. Là, malheureusement, on a quelques toutes petites gouttes, mais c'est vraiment léger. Et j'ai dû ressortir ma doudoune parce que franchement, ça caille. En plus, au milieu de la forêt, là, c'est encore pire. La sensation de froid est encore plus, plus intense. Et là-bas, vous voyez Eden qui est en train de faire une crise. En fait, il est trop fatigué, il veut dormir. Mais je sais pas, depuis ce matin, il est insupportable, je sais pas ce qu'il a. Oh la vache, je sais pas comment il fait. Moi là-dedans, je gerbe direct. Horrible. Alors en fait on participe également à la chasse aux œufs qu'organise donc le parc. Il suffit simplement de trouver des petites boules comme ça, il y a une petite lettre à l'intérieur. On accroche les mousquetons, petit bonhomme en rouge. Accroche tes mousquetons tout de suite. Ah ouais ouais, il est tout détaché. Donc on reprend les lettres sur la feuille et ensuite on doit trouver donc de quel mot il s'agit. Et ensuite les enfants vont au service snack et ils ont un petit cadeau. Voilà. Donc là par exemple on a la petite boule mais il y a des crétins qui ont enlevé la lettre. Donc du coup bah voilà, on va devoir faire sans. J'en ai vu une. Là-bas, regarde. Tu la vois? Oui. Elle est vide. Ah mais c'est pas possible ça. Il y a des gens qui noyaient. Ils sont vraiment bêtes hein, les gens qui ont enlevé ça. Hein. Du coup nous on peut pas jouer. Mais on n'aura pas de cadeau. Bah écoute, on va aller le dire, on va aller le signaler hein, que les boules sont vides. Qu'est-ce que t'en penses? Polder, ça s'appelle. Le polder, on l'a pris. Ça, c'est ouais, clair. L'année dernière, à la même époque, on était à Nice. Ouais, c'est clair. Au soleil, on est en maillot de bain et tout en plus. Enfin bref, bon. Bah là, du coup, on va monter un petit peu dans les hauteurs pour voir. On va passer à la Schlucht. À la Schlucht. La Schlucht et on va redescendre ensuite sur Tremblay-Plongemer. Ouais, donc on va monter un petit peu pour voir s'il y a de la neige. Mais on sort pas de la voiture. Non, je crois qu'on a besoin de se réchauffer, il fait trop froid. Puis après on va aller à l'hôtel se reposer un petit peu. Ouais. En tout cas si il neige pas aujourd'hui, il neigera bien. Vu qu'ils avancent encore plus. Ce petit monstre qui nous a fait la misère, hein? C'est qui ce petit monstre qui nous a fait la misère au parc aventure? Il apprécie d'avoir ses petits pieds sous bien au chaud. Oh, il a eu froid, mon bébé. On est crevé. J'ai pas envie de sortir. Ils sont pas bien les deux là.
se retrouve, il doit être 19h, 19h30. On va aller manger au resto. Et le resto, ça s'appelle le Bistrot de la Perle. Donc toujours à Gérardmer. Donc on n'a rien fait hein, depuis qu'on est rentré. On s'est reposé un petit peu à l'hôtel. On a bu un petit verre au bar de l'hôtel. Et puis là, on va aller manger. Voilà. Il est beau ton dessert. C'est pas original. Il est très joli ton dessert. Non, je peux. Et toi? C'est bon. Vraiment, il y a le crumble. Il y a quoi? Le crumble. Le crumble de la menthe. La glace à la menthe, elle est très très bonne. Le chocolat. T'aimes bien? Moi, j'adore la menthe. C'est trop bon. C'est boule vanille, boule framboise. Avec des petits morceaux de meringue. Mmh. Eden. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Avec son téléphone normal. Bon ben voilà les filles, je vais clore ce vlog ici. Nous on vient de rentrer à l'hôtel, donc on va faire dodo parce qu'on est crevé. Le resto c'était super sympa, c'était super bon. Le Bistrot de la Perle à Gérardmer, si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas à y aller. Ils étaient super sympas. Rian, tu veux que je t'aide? Non. Donc voilà, bah écoutez, nous on va se coucher. Demain on sait pas encore ce qu'on va faire, ça va dépendre du temps. Mais s'il fait beau et si on fait des choses, je vous vloggerai. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Un petit film.